Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Alors, première partie de notre exploration du problème, l'interconnexion n'est pas assurée. Donc ici, si le diamètre du plan d'exploitation est fini, y a-t-il nécessairement un train qui dessert toutes les stations? Donc ici, on peut remarquer que si on note les stations SI, donc station numéro I, I est compris entre 0 et N, pour que le plan d'exploitation soit fini. Alors pour que le plan d'exploitation soit fini, il faut que la station SI soit desservie par la station SJ et vice versa. Et vice versa. Donc pour tout 1, 0 inférieur ou égal à I, strictement inférieur à J, inférieur ou égal à N. Donc ici, si on note 0, 1, 2, 3, 4, donc, par exemple, si le premier train dessert 0, 1, 2 et le deuxième 2, 3, 4, eh bien, sans correspondance ici, le diamètre du plan serait infini. Pourquoi? Parce que ici, on ne peut pas relier la station numéro 0 avec la station 4, mais avec connexion, le diamètre du plan serait ici. Diamètre du plan 2, parce que ici pour aller de 0 à 2, il faut passer par 1 et 2. Alors, il n'est pas nécessaire qu'un train desserve toutes les stations pour que le diamètre d'exploitation soit fini quand n supérieur ou égal à 2 et k égal à supérieur ou égal à 3. Alors ici, si n égale à 1, eh bien il y a deux stations, 0 et 1. Donc pour le train, bah, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller de 0 à 1 ou de 1 à 0. Donc le train dessert toutes les stations. Pour n égale à 2, ici, 0, 1, 2. Alors il y a deux solutions. Alors k égale à 1. K égale à 1, bah, ici, ça va, le train va desservir toutes les stations de 0 à 2. Si k égale à 2, eh bien, si on n'a que une possibilité, donc soit 0, 1, train 1, 1, 2, train 2, et là, bah, on est bloqué parce que la station 0 n'est pas reliée à la station 2. Donc ici, si k égale à 3, bah, on peut faire ce plan d'exploitation, 0, 1, 2. Alors, en rouge le premier, en vert le deuxième et en bleu le troisième. En bleu, il fait 0 à 2. Voilà. Et donc là, il y a trois trains et chaque train ne dessert pas toutes les stations. Donc ici, n supérieur ou égal à 2, k supérieur ou égal à 3. Alors, maintenant pour le cas général, si n supérieur ou égal à 2, k supérieur ou égal à 3, donc ici on a n stations, donc 0, 1, 2, 3, k, n. Alors, le train 1 va desservir les stations de I compris entre 0 et N, mais I différent d'un certain K1. K1. K1 est compris entre 0 et N. Train 2, il va desservir toutes les stations
Station des services. Station des services. Donc, il va desservir toutes les stations entre 0 et N, mais sauf la K2. Donc maintenant, train 3, eh bien, il va desservir la station K1 et K2. Alors, vérifions que toutes les stations et donc toutes les stations sont desservies. Donc ici, le train 1 va desservir toutes les stations, même K2. Donc ici, K2 il va être relié à 0, 1, 2, 3, N, mais pas à K1. Par contre, le train 2 il va desservir toutes les stations, même K1. K1 il va desservir les stations 0, 1, 2, 3, N, sauf K2. Et donc, il ne reste plus qu'une une interconnexion, c'est K1, K2. Le train 3 va desservir K1 et K2. Et donc ici, après, pour les trains J, les trains J avec J supérieur à 3, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, bien entendu, desservir un certain nombre de stations, mais pas toutes. Mais pas toutes. Bien entendu, sinon ça ne répondrait pas à la question. Donc J supérieur à 3, on peut desservir un certain nombre de stations, mais pas toutes. Donc ici, ça assure que le diamètre du plan inférieur à l'infini. Donc il est fini.